Et nous sommes sur Angers avec le pompiste, avec monsieur 9.0. Quelle puissance! Vous avez intérêt à avoir amené des chaussons avec oui. Monsieur Coutonx. Quelle puissance! Et madame Lydie, comment allez-vous? Ça va. Voilà, écoutez, on vient d'arriver sur chez Arsène Dupin. Parce que là, on va appeler Arsène Dupin. Ouais, et puis voilà. Ah, sympathique Arsène Dupin. Allez, on... Tu as été sale cette semaine. Oh. Bonjour monsieur le chat. C'est mademoiselle. Voilà, apparemment c'est une mademoiselle. C'est une demoiselle. Alors, première impression, madame Quinquet, c'est sympathique ici. Oui, tout à fait. C'est tout à fait. C'est reposant. C'est fort aimable. C'est fort aimable. Par contre, il y a des têtes qui... Non, c'est des beaux pavillons et tout ça. Ouais, bah oui. Voilà. Non, là, je vous filme, c'est voilà. Vous êtes sale cette semaine. I'm going down, bouffon. Gueule qu'on a quand on est rat défoncé en genre. Oui, moi, je dis non. Alors, je dis moi, non, là, si tu es en photo, j'ai pas été en photo, mais là, je serai avec tous les grévins. Voilà les aventures d'André, avec des gens sympathiques. Moi, je vais demander pour le chat. Ben oui. Je crois que t'as adopté, hein. Et en plus, t'as vu comment le... Vous êtes en direct de la caméra. Comment allez-vous, cher ami? Bon, j'adore ce Rickenter. En tout cas, Street of Rage 4, super, super truc. Quand vous vous réveillez le matin et vous avez une tête de shinobi. Voilà. Et n'aie pas peur de la lumière. Non, je n'ai pas peur de la lumière. Que la force. Que la force soit avec vous, jeune Skywalker. Ça va, nous on a été sages. Ouais. Ça va, on était tranquille. Ouais. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Tu me casses autant les. Direct. Ah, les vidéos. Oh là 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 là. Est-ce que tu fous là là? La 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 Il y a mon cousin là qui est en train de régler la guitare. Non, il règle, il cherche un bon son. Mettez-nous un bon son. Je veux du pain, du pain. En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus. Je semais une des cueillettes et chantais une pour des prunes, étendais la patte au chat, la vieille. T'inquiète, je couperai le rire. Vas-y, tu peux déjà sur recording. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En ce temps-là, je vivais dans la lune, les bonheurs d'ici-bas m'étaient tous défendus. Je semais une des cueillettes et chantais pour des prunes, étendais la patte au chat perdu. Ah, putain de toi. Ah, à pour de moi. Quatre coins de ma vie de bohème, tu as semé, me promener le feu de tes 20 ans. Et pour moi, pour mes fleurs, mes chansons, mes poèmes, c'était toi, la pluie, le beau temps. Ah, putain de toi. Ah, pour de moi. Un soir de pluie, v'là qu'on gratte à ma porte.
s'empresse d'ouvrir, sans doute un nouveau chat. Mon odieux, le beau félin, que l'orage m'apporte. C'était toi, c'était toi, c'était toi. Ah, putain de toi. Ah, pauvre-moi. Le temps passe, il faut chat, l'aveuglette, notre amour mûrissait. À peine que déjà tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes et faisais des misères à mes chats. Ah, putain de toi, ah, pauvre de moi. Le comble enfin, misérable salope, comme il restait et plus rien dans le garde-manger, tu as pleuré sans vêtu et pour une escalope de jeter dans le lit. Ah, putain de toi, ah, pardonne-moi. C'était fini, t'avais passé les bornes, et renonçant aux amours, pris vol d'ici bas, je remontais dans la lune en emportant mes cordes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, putain de toi, ah, pardonne-moi. Vous n'avez plus faim? Bah moi je Bah je vais défoncer, je vais finir. Tu m'en fais rien, Aurélien, en plus si tu picoles. Ouais, après tu tombes, tu tombes en mode KO. Je vais prendre un petit peu. D'accord. Est-ce pas ou... Ouais, il y a intérêt, ouais. Non, tu vas aller dans le coin, tu vas aller au coin, tu vas faire cette table de musique. Si t'es sage, si t'es sage, je t'achèterai du pain tout à l'heure, et du pain de tradition. Et dans la jeunesse. Si c'est porteur, on est d'accord. Attends. Vas-y, essaye là, essaye. Ça ferme, cher ami. Ouais, mais il y a du jeu quand même, faut faire gaffe. Vas-y, on va voir si tu veux. Non, non, non. Alors, on va dans le centre d'Angers, cher ami. Oui. Ça va, il est pas trop Ariel. Non, il est pas trop en mode Claude Juvet. Yeah, yeah, yeah. Oh, regardez-moi ce sourire. Fred Texto est de retour. Fred. Vous êtes prêt à être magnifique dans la foule à Angers? Oui. Fais gaffe, quand il fait ça, moi je le connais, il va te déboîter ta mère. Je te jure que... T'en as loupé plus quand même. Quelle synchronisation. Un charisme qui dépend. Ils ont 3 heures pour arriver là. Ouais, comme une rockstar. C'est une rockstar. Alors, en même temps, j'ai rangé... Vous ne savez pas, mais c'est la fille... Quand t'attends 3 heures pour aller à une demi-heure d'ici. Quand tu es une bière. Allez. Alors on met 3 heures pour se pointer, je m'en fous, tout est dans la boîte. J'ai les deux. Par contre, filme pas le monsieur parce que. Cet homme a carburé pendant 3 jours avec de la nickel fraise. Cela se voit dans ses pas. Vous allez le voir ce soir dans les actions. Il revenait. Et là, c'est sûr, tu peux pas en profiter. J'aurais voulu. Quel est donc cet horrible personnage? C'est normal. Quand t'es pas le vermis... Des charmantes personnes que l'on croise depuis tout à l'heure. Bah écoutez, c'est fort sympathique, mais c'est bien dégueulasse. Voilà.
Alors apparemment, vous avez vu des personnes. On est gentil. Enculé. Quand tu bois une bière, tu es très gentil. Alors, Romy, je peux prendre une petite cigarette, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Merci. Oh, vous êtes beau. Romy, que je vais raconter avec l'histoire de la crème brûlée. C'est sorti ça, monsieur. Mais je ne sais pas. Ah bah non, je ne sais pas, mais par contre, reste-toi. Parce que moi, je savais qu'on allait là. Oui, mais moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est le coup de... Non, mais... Merde, on ne t'a rien demandé. Non, mais c'est... Voilà. Non, mais alors... Et après que tu me le reproches, non, mais viens, après, ça, viens, je ne peux pas. Viens, on en discute. Mais non, mais t'essayes bon. De me mettre un moyen de pression que tu n'as pas. Mais c'est pas une question de moyen de pression. Bah si, tu me dis, donne-moi les... Sympathique. Je peux te prendre une cigarette, s'il te plaît? Non, mais vous avez dit de faire. D'habitude, papote, tu vois, vaut mieux que je papote et je fume pas. Tandis que là, bah, j'ai. Nous avons un personnage qui peut-être a pu être. Je vais te la faire répéter. J'accompagne au pire. Honnêtement, je vous accompagne au pire des cas. C'est un poteau. C'est la musique. Hein. Défense. C'est l'influence. Et genre, il se met sur la jambe d'une nana. Alors, vous allez jouer quoi, cher ami? Non. Alors, en fait, c'est une chanson de Pearl Jam. Ah, c'est pas Son Forget, non? Non. C'est en fait, il s'appelle Indifference. Ah que oui. Toutes les différences des gens et à quel point on peut juger les gens. Ah d'accord. Alors, et j'avais en fait une épingle à nourrice. Pardon. J'ai l'épingle à nourrice de sûreté avec tu sais le petit bébé qui coince le truc. Enfin, bref, mais de cette taille-là. Et le mec, je l'ai vu faire le coup à une nana. J'ai déplié le truc et je lui ai donné un grand coup dans la cuisse. Les chercheurs en thermonucléaire essaient de trouver de sauver la femme. Je connaissais pas la route et tout. Et moi, je le regarde. Et puis, j'ai une vue. Et le mec, il était en train de se branler pendant qu'il parlait. Et je tourne la tête et je vois son gamin, il doit avoir 3-4 ans, dans le siège auto derrière. Quoi. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait au mec, vas-y, dégage. Et après, j'ai passé ma route. Ainsi s'achevait mon voyage à Angers en compagnie de mes amis. Encore que la soirée n'étant pas finie, j'ai bien peur qu'il y ait d'horribles bonus tracks. Oh que oui. Gringo Nescafé. Ah,
Ah, c'est quoi d'ailleurs cette connerie? C'est un truc français, moi. Regarde, elle est fraîche ou pas? Ouais, on vous dit, on ne vous dit de ne pas plonger dedans. Pas, non, vous êtes gentil. Allez, si, si, il a raison, il a raison. Il y a plein de gosses qui font ça, quoi. Il a raison, il a raison. Je suis en fin de batterie, chers amis. Vous dites un au revoir à la vidéo. Allez, suce-moi. Au revoir. Au revoir. On a fait des belles photos. À bientôt. Voilà, cet homme est allé dans la baignoire. Prends-le, bien cite-le. Bon, on y va tranquille, on n'est pas loin, on va pouvoir se poser. Ben écoutez, chers grands amis, on a vraiment des beaux clichés. On a vraiment des beaux clichés, donc c'est cool. Franchement, mortel. Hein. Mortel, hein. On la flotte, c'est un truc de ouf. C'est la flotte, c'est pas ta. Ouais, t'as vu comment elle est ultra bonne. Regardez-moi ça, regardez-moi ces ignomissimes personnages qui se sont foutus sous la fontaine. Qu'est-ce que je voulais que je fasse avec ça? Ce chemin-là qui veut rentrer je ne sais où, là. Eh bien voilà les amis, le voyage se termine. Ça fait trois fois que je le dis, mais c'est pas grave. Je vous souhaite à bientôt pour les aventures des rois de l'évasion. Et moi, ce que je peux dire, c'est que voyage à la rage. Super pour le clip, c'est nickel, quoi. Nickel. Je m'en fous, je suis un gitan polonais, moi, à la base. C'est un polagie. Un pola juif. Quand tu sens mauvais. De toute façon, on n'est pas loin. Je crois qu'on est à quoi, une centaine de mètres, je crois. C'est toi qui dis ça, mec. Moi, je dis qu'on est à 20 minutes. Ouais, mais 20 minutes, ça peut aller. 20 minutes, c'est vrai que ça peut aller. Elle vient de là. J'ai le cul qui est un peu mouillé, ça me fait penser à Julie. C'est bizarre, ça. Ah, tu mouilles du cul, non, elle, oui. Oui, non, le micro, c'est là. Par contre, la chaise, c'est là. Non mais le truc c'est que t'es fort. Il m'a mis un coup de boule et je suis resté stoïque. L'autre il s'est fait défoncer la gueule. Il s'est fait exploser. Mais il justifie le bordel en fait. L'autre mec il est là et tout, il m'a niqué la gueule, mais c'est horrible. Mais par contre quand Depardieu il arrive et qu'il fait. Attends, c'est pas comme ça c'est. Un coup de boule, ça part de là. Ouais. Ça part de là, tu vois. Putain, tu le prends là et là tu fais. Tu vois, il faut que ce soit. Et l'autre, comment il pleut sèche, l'autre truc, il fait ça quoi. Tac. Oh putain, il en écrase. Voilà ce qui arrive lorsqu'on a été une mère toute la semaine.